Après Londres, place à Édimbourg. Le roi Charles III va célébrer son couronnement une seconde fois en Écosse dans le cadre de la Semaine d'Holyrood, également connue sous le nom de Semaine Royale. La cérémonie se tiendra à la cathédrale Saint-Gilles. Depuis le 6 mai dernier, Charles est le nouveau roi d'Angleterre en succédant à la reine Elisabeth II. Un événement suivi dans le monde entier. À peine quelques semaines plus tard, le roi Charles III va de nouveau célébrer son couronnement. À partir de ce mercredi 5 juillet, accompagné de son épouse Camilla, il se rendra en Écosse dans le cadre de la Semaine d'Holyrood, connue aussi sous le nom de Semaine Royale. Cet événement annuel voit habituellement le monarque se rendre dans différentes régions du pays pour célébrer la culture, les réalisations et la communauté écossaise. Le roi Charles et la reine Camilla seront rejoints par le prince William et Kate, qui portent leur titre écossais de duc et duchesse de Rothesay lorsqu'ils sont au nord de la frontière. Le premier ministre Umza Yousaf a déclaré dans un communiqué que l'Écosse accueillera le nouveau roi et la nouvelle reine en juillet avec une série d'événements pour marquer le couronnement, une procession populaire, une procession royale, un service national d'action de grâce et un salut au canon auront lieu à Édimbourg. Les joyaux de la monarchie. Le service d'action de grâce se tiendra à la cathédrale Saint-Gilles, où les joyaux de la couronne écossaise seront présentés au roi, un sceptre, une épée et une couronne qui date du début du XVIe siècle et conservée au château d'Édimbourg. Un autre élément présent sera la pierre de Scone ou pierre du destin, qui a été utilisée lors du couronnement de Westminster en mai. La pierre, qui a été utilisée pour le couronnement des rois écossais pendant des siècles, est maintenant conservée en Écosse. Dans la continuité de la tradition instaurée par la défunte reine Elisabeth II, le roi Charles III organisera également une garden party dans les jardins du palais d'Holyrood. Cette célébration en Écosse est une tradition importante qui souligne le lien entre le monarque et l'Écosse. Take a chance, you can just keep